de vie au monde d'arriver où on s'est parti où il faut refaire un premier monde. Les données du DTD dont vous avez besoin sont maintenant accessibles depuis le terminal de mon utilisateur. Je maintiendrai un canal d'accès spécialement pour vous. J'ai modifié le mot de passe pour tenir le MCP à l'écart. Quel canal d'accès? Encore un terme technique. Grâce à ce lien entre nos deux mondes, nous resterons connectés. C'est vous, mes amis, qui êtes le nouveau mot de passe. Merci, Tron. À bientôt. Transmettez mes amitiés à tous les utilisateurs. Voilà, je crois, mais. Ouais, celle-là, je crois qu'elle fait pas beaucoup de dégâts. Mais comment dire, prenez de l'avance, j'essaierai au moins de faire jusqu'aux deux cadenas. Où il faut refaire l'immunité. C'est fait, bah. On va prendre un peu de barbe à slip. Bien, affaire classée. Regardez. Tron, t'es trop marrant. Alors, par où on commence? Je sais! Accédons au DTD! Le roi est retourné en ville pour évaluer la situation. Il sera bientôt de retour. Et il faut entrer un mot de passe. Pas de problème, c'est... Sora! Daigo! Au moins, c'est simple. Alors? C'est bon. Ça marche. Je vais à la forteresse. Je veux savoir ce qui se passe là-bas. Tu vas pas lire les infos? Après tout le mal qu'on s'est donné? J'en ai pas pour longtemps. Sora, tu devrais commencer à télécharger et copier les données. T'as juste à pianoter. C'est facile, non? Ouais. Sora n'a peut-être jamais utilisé d'ordinateur, elle est où? Donc qui tout le prend, ça va. Ok, c'est peut-être manier à Keyblade, mais je peux pas manier un ordinateur. Oui, est-ce qu'on peut manier quelque chose? Enfin, il y a plein de trucs, mais il y a des trucs qu'on ne sait pas faire non plus. Frère Machon! Eh, ça prend du temps, ok? Je l'ai prévu, moi, c'était de retourner dans l'ancien monde. Oh, pour monter un peu la nouvelle fusion. Hein? Je crois qu'il veut savoir ce que nous voulons savoir. Riku et Kairi. Oh non. Même l'ordinateur d'Ansem ne le sait pas. Je vais demander à l'ordinateur s'il a des informations sur les similes. Quoi? Données corrompues. Essayons avec l'organisation. 13. Voilà! Données corrompues. Ordinateur débile! Sora! C'est qui ce type? Eh bien, je vois que vous avez les choses en main. Ah, votre majesté! L'ordinateur a les informations que nous cherchons. Mais il n'arrête pas de dire que les données sont endommagées. Tout ce qu'on obtient, c'est la photo d'un inconnu. Ansem le sage. Vous vous moquez encore de nous? Bien sûr que non, il s'agit de lui, j'en suis certain. Excusez-moi, vous voulez bien venir voir? Je crois que c'est pareil si c'est féroce. Regardez, c'est lui, Ansem. Vous savez, l'homme qu'on a eu tant de mal à vaincre. Oh, c'est vrai, je n'ai jamais fini mon explication. L'homme de ce portrait
est bien celui qui a tenté de s'emparer de Kingdom Hearts. Celui que vous avez éliminé. Mais en réalité, vous avez vaincu un être qui se faisait passer pour Ansem. Enfin, plus exactement, le sans-cœur de cet imposteur. Et donc... On s'est donné tous mal pour vaincre un imposteur. Oui, un double. Mais il était vraiment dangereux. Alors là, je suis perdu. Et si c'était un sans-cœur, alors qu'est-il arrivé au véritable Ansem? Eh bien, c'est ce que j'essaie de découvrir. Le vrai Ansem, Ansem le Sage, devrait être au courant de ce qui se passe et des plans de l'organisation 13. Je suis certain qu'il nous prêtera main forte. Vous savez, j'ai bien failli le retrouver une fois. Ça se complique encore? Oh là là, déjà que j'ai du mal à comprendre. Bon, récapitulons. Un homme nommé Ansem qui n'était pas vraiment Ansem est devenu un sans-cœur. Ça voudrait donc dire qu'un simili a été créé en même temps, non? Oui. Et ce simili est le chef de l'organisation. Quoi? En fait, j'ai déjà rencontré le faux Ansem et j'ai également vu le chef de l'organisation 13. Ah, j'ai eu la sensation de voir la même personne. Et vous l'avez rencontré où? Je ne m'en souviens plus. Ansem le sage, c'est-à-dire le vrai Ansem, doit connaître l'identité de l'imposteur. Je veux donc le retrouver pour en savoir plus. Toi, tout ça c'est ta faute. À cause de toi, Riku et Kairi... Oh, votre majesté, vous savez où est Riku? Il est... Je suis désolée, je ne sais rien. Vraiment, Majesté? Vous en êtes sûr? Pardonne-moi, Sora. Et Kairi, c'est peut-être l'organisation 13 qui l'a enlevé. Oh non! Sora, Donald, Dingo. J'avais l'intention de demander l'aide d'Ansem le Sage, mais je réalise maintenant que j'ai oublié une chose essentielle. On doit toujours secourir les autres avant de demander leur aide. Nous sommes sains et saufs et libres de décider. Il n'y a aucune raison de ne pas choisir d'aider ses amis. Cherchons Riku et Kairi ensemble. Oula. C'est quoi? Voici une excellente occasion d'aider les autres. Bourré de charismatique. Je m'arrêterai juste après d'avoir battu le boss là. Dans la grotte. Oula, oui. Ils ont mis une bombe. Mais ça va nous donner assez. J'ai le temps de le faire. C'est qui là? Ah, c'est qui? Ah, on a un nouveau simili. Oui, tu peux faire une glace. Stalker, écoutez-moi. Attaquez les écorces blanches. Elle ne fait pas. Quoi, tu parles? On ne gagnera jamais cette bataille. Fais ce que tu veux, moi je me tire, Magali. Pitoyable, poltron. Sans-cœur, oubliez les créatures blanches. Occupez-vous de Sora et ses amis. Waouh! C'est vrai que Mickey, ça ne peut plus de ça en fait. Mais c'est si revenu.
par là, Rémi est parti. Il a passé ce qu'il supporte et puis comme par là, mais il fait l'arrivée. Faut l'appeler sans faire. Ouais, c'est tout à fait logique le truc. Cela, c'est une bataille. C'est vraiment chaud. Avec l'œil d'armure, mais c'est moi qui gagne dans le niveau. Défense et magie, je crois que j'ai eu. Regarde. Niveau 30. Où est Maléfique? Elle s'est enfuie, on dirait. C'est vraiment minable de sa part. Je crois qu'on a choisi le mauvais camp. Je pense que vous devez vous en douter, les trois petites fées. Les trois petites dames. Ni. Je pense qu'elles sont dans la. Peut-être moi, elles doivent être dans la Final Fantasy, mais je sais pas lequel. Hé, si vous voulez choisir un camp, pourquoi pas celui Léon? Votre aide serait la bienvenue. Est-ce que ce Léon a des trésors? Parfait! On y va. Vous êtes qui, vous? On est rien? Trois fois rien? Rien que trois fois notre trésor. À plus tard, Tétard! C'est bizarre. Mais au fait, Donald, Léon a vraiment du trésor? Ah, ça fait. Et là, il me semble qu'il y a un personnage de Final Fantasy 17, un autre. Mais moi, les personnages de Final Fantasy 17 ici sont vraiment bien aimés. C'est Furoze. Oui, il apparaît là. Il y en a marre de vous. Et si je l'ai pris. Les passages de moi, je crois, qu'ils sont au vert. Oh, wow. C'est Furoze. Putain, ils l'ont trop bien fait, la tenue. Mais que dans loin. On dit aussi que la même scène. Ça va, c'est Sephiroth. Sephiroth, celui qui est censé être la partie obscure du cœur de Cloud. Ah, c'est Cloud qui vous a dit ça. Alors, c'est qu'il a enfin compris. Qu'est-ce que tu as l'intention de lui faire? Rien. C'est Cloud qui est attiré par les ténèbres. Il a dit qu'il avait un compte à régler avec toi. Je vois. Il veut m'affronter une fois de plus. Je vais donc satisfaire son souhait. La dernière étincelle de lumière est toujours la plus difficile à détruire. Vous mettez le côté, ça ne peut pas marcher. Là, on a du mal à croire que tu es un personnage badass, sérieux. Vous avez vu? Juste pour aller voir Cloud, il doit peut-être à peine à quelques mètres. On va baptiser. Essayer de voir ma maîtrise, je peux le dire, parce qu'elle est vraiment chaude. Si c'est pas ça, elle va être chaude là-bas. On est là! Sora, derrière toi! En France, il y a eu le film Final Fantasy. Affiché Grun, je sais pas comment ça fait. Vous devez vous douter qu'elle est morte, hein, à Iris. Même voilà. Yeah.
pour les plans. Je sais plus. Le roi est aux fortifications. Le message. Allez le rejoindre. Entre Véro et Pierre-Élie. Ah. Dis-moi, c'est ma nièce qui demande. Cloud et Sephira, quel est votre personnage préféré entre les deux? Waouh! Vous pouvez mettre un commentaire. Hein. Vous êtes pas obligé de se répondre, oui. Moi, j'adore les deux. Si je voulais choisir, ben, je prendrais Sephira. Il est quand même assez fort, assez badass. Au niveau méchant, après, au niveau gentil, bah, Cloud. Il a quasiment la même coiffure que Sephira dans le jeu. C'est bien d'autres qu'on pourrait jouer les personnages au final à la fin, c'est bien. Ça devient une grande guerre. Ah, il est bien d'autres aussi. Ils ont envie de voir s'ils se battent avec nous. Allez, tape la copine. Ça va être mon empathie venu. Ah oui, il s'appelle. Oui, non, les gars. En combattre autant? Là, ça va encore, mais sinon rien de plus. T'en fais pas pour ça. Celui-là, je m'en charge à la fin. C'est trop stylé. Quoi? Tu sais te battre. Ah. Là, sérieux, c'est le meilleur personnage du jeu aussi. Hein, genre ça forme un cœur, quoi. Te voilà enfin. Tu me cherches, à ce qu'on dit? Oui. Quand je me serai débarrassé de toi, les ténèbres disparaîtront. Vraiment? Ces ténèbres viennent de tes propres souvenirs. Crois-tu pouvoir effacer ton triste passé? Tais-toi! Admets-le. Tu as tourné le dos au présent pour vivre dans le passé, car la lumière du présent est trop éblouissante. Tu ne me connais pas! Cloud! Je te connais, car je suis toi. Léon, les amis, tenez bon! Vous
3, partez retrouver Riku et Kairi. Mais Léon et les autres sont nos amis. Ne t'en fais pas, ils ont toute l'aide nécessaire. Nous nous chargeons de ce combat. Mais j'ai promis à Léon. Donald, Tingo, emmenez Sora et partez. Riku, Kairi, attendez-moi encore un peu. Compris. Nous allons retrouver Riku et Kairi. Bien. Soyez prudents. Je sais, ma chasseur. Attendez, les gars. Sora, fais ce que je te dis. Tu viens avec nous, que tu le veuilles ou non. On va être coupé en deux parties. Sora, tu dois obéir. Compris. Alors, c'est parti! Je suis désolé, Majesté! J'espère que vous nous pardonnerez! C'est comme il y a longtemps, sa forme. Puis au moment qu'on voit tout le monde se battre, littéralement il a perdu la peur là. C'est féroce. Tout ça, ça va sur lui. Il apparaît, mais quand le. Il aurait fini la mission. Il aurait beau retourner au... là où ça se finit la mission, Précipice des Ténèbres. Mais comment dire, il va pas être là. Il va la refaire encore le monde d'autres hommes. Un DMX. Hé, hey, vous avez l'air en forme? Dis donc, on s'était pas occupé de ton cas aux enfers? Comment une poule mouillée comme toi a-t-elle pu rejoindre l'organisation? Comment il a fait? Que tu sais même pas te battre. En tout cas, nous, on sait. Ne vous fiez pas aux apparences. Oh, je leur avais bien dit que j'en étais pas capable. Mais c'est qui ce cinglé? N'oublie pas que l'organisation est constituée de simili. Oui. Il n'y a pas de cœur. Près de cinglé. Mais si nous avons un cœur, soyez pas méchants. Pour l'instant, il n'a pas tort. Il est un peu barjo, Némix. Silence, traître. Parce que bon, il y a toute une exploitation où il sera en train de ça. Mais il faut se battre contre son cœur. Il n'est pas seul. Il y a tout le monde. Il y a lui, il y a Léon, il y a Cloud qui vont l'aider, Tifa. Il y a quatre par ça, il faut arriver une fois. On retrouvera le roi qui donne mal. Danse, mon danse! Ah oui, oulala! Ça.
laisse un peu te frapper. What? Alors là, il faut m'expliquer pourquoi le chrono est assez court. Il est trop chaud en fait à toucher, quasiment. Danse, oh, danse! Putain! On va changer de keyblade. Écoutez.
pas là. Oui, quasiment, fait plus de dégâts quoi. Je vous jure, si vous avez fait un verso Five Mix, il y a un endroit où vous pouvez rebattre les langages à son trait. Les mix est vraiment très casse-couille. Oh,